Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'emplacement du monstre du chapitre 3 de Fortnite. Alors comme vous avez pu le voir sur la miniature, il y a un monstre qui apparaît dans le trailer de Fortnite saison 1 chapitre 3. Et ce monstre en fait, il est en train d'hiberner sous un tas de neige près de l'emplacement que je vais vous montrer. Donc là, c'est près de Shifty Shaft, un truc dans le genre. Donc là, j'ai pas encore découvert la ville, mais c'est juste ici, regardez. Juste ici. En plus, je crois que c'est le gros tas de neige qu'on voit là en fait, en vrai. Et en fait, ce qui se passe, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment le gros tas de neige qu'on voit sur la map. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, il est en train d'hiberner. Mais quand la neige va disparaître, parce que comme on est en décembre, ben, il neige, et ben vers janvier, normalement, la neige va disparaître. Et ce gros tas de neige ben, va devenir un monstre en fait. Parce que tout simplement, en dessous de cette neige, il y a un monstre. Et regardez, vous pouvez le voir respirer. Et voilà. C'est juste un truc de fou. Alors, est-ce que ce monstre sera un monstre offensif? Je ne pense pas, parce que sur le trailer, on le voit, il marche tout doucement, il est tranquille, il est posé, on dirait un gros lézard. Donc, je pense que ce sera peut-être un moyen de déplacement, pas très rapide, mais qui pourrait être fun. Après, s'il nous attaque, quand vous voyez la taille de la boss, ben, ça va être quand même chaud à pouvoir attaquer. Après, là, si on doit l'attaquer, je pense qu'il aura une grosse défense parce que ça a l'air d'être un dinosaure, genre avec une grosse carapace, une grosse peau, donc il aura sûrement beaucoup de vie. Donc, si on doit l'attaquer, bien entendu, hein, ça pourrait ressembler un peu au monstre qu'on a eu à la fin du chapitre 2 de Fortnite, les grands géants, parce qu'on avait aussi des monstres qui se trimbalaient, les gardiens, je crois que ça s'appelait, et ils se trimbalaient sur la map du chapitre 2. On pourrait, donc peut-être c'est en parallèle avec ça, je ne sais pas. Alors, pour l'instant, je ne connais que cet emplacement. C'est possible qu'il y en ait d'autres. Possible qu'il y en ait un qui se trouve dans les déserts. Possible qu'il y en ait un qui se trouve dans la forêt ici. Peut-être ici. Ou peut-être dans le désert ici, je sais pas. Et peut-être un autre qui se trouve encore sous la glace. Enfin, sous la neige dans cette zone-ci, je ne sais pas du tout. Si vous connaissez d'autres emplacements, ben, n'hésitez pas à le dire. Ça se tombe, il n'y a qu'un seul monstre. Hein, parce que dans le trailer, on n'en voit qu'un seul. Donc peut-être qu'il n'y en a qu'un seul. Mais voilà, je suis impatient de voir tout ça. Donc normalement, vers janvier, mi-janvier, on devrait en savoir plus à propos de ce monstre. Donc, pour l'instant, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais je vous tiens au courant dès que j'en sais plus. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakuloMec et ciao. Peace.